Seigneur, nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Nous voulons t'écouter. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, prends la direction de toutes choses. Parle-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté dans le nom de Jésus. Que tout entendement éteigne, toute sourdité spirituelle soit détruite dans le nom de Jésus. Que notre esprit, notre intelligence soit renouvelée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est la Pâque. Alléluia. La période après Pâques. N'est-ce pas? Amen. Nous allons, maman Tega nous a parlé très profondément. Ça résonne encore dans ma tête. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire Colossiens 1, le verset 27. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et la main est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mets ta main droite sur ton cœur. Et tu élèves la main gauche. Et tu dis Christ en moi. Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Vous savez quoi? Avant de rencontrer Christ, les apôtres étaient des hommes ordinaires. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ils étaient comme tout le monde. Ils faisaient tout ce que tout le monde faisait. Ils vivaient avec tout le monde. Ils étaient tout le monde. Un amen est bien. Un jour, ils feraient une rencontre. Alléluia. Une rencontre qui devait changer leur vie. La rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont rencontré Christ. Alléluia. C'était le grand espoir qui naissait. Alléluia. Une grande espérance pour leur vie. Ils étaient très fiers. Hein? Alléluia. Amen. Ils étaient très fiers de marcher avec le Seigneur. Ils étaient très fiers de dormir avec le Seigneur. Alléluia. Parce que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas marcher avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Ils se sentaient supérieurs parce qu'ils venaient de rencontrer quelqu'un de grand. Alléluia. Amen. 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 Ils ont vu Jésus pendant les 3 ans. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Alléluia. Amen. Tous les problèmes, qui venaient à lui, il donnait la solution. Amen. Alléluia. Amen. C'était d'abord un appui pour les apôtres. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sentaient Christ comme abri. C'est-à-dire c'était un lieu où tu peux aller te cacher. Un amen est bien. C'était un abri sans faille. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était capable de multiplier le pain s'il y a la famine. Alléluia. Amen. Elle amène les pierres. C'est-à-dire les apôtres avec Jésus, ils avaient une grande foi. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Un jour, ils rencontrent les gens pour payer les impôts. Alléluia. Pour vous dire que c'était quelqu'un de... Tout faire. Il avait la solution à tout. Amen. Il fallait payer les impôts. Il n'y avait pas l'argent. Alléluia. Il leur dit, allez-y là-bas au fleuve. Allez-y pêcher. Ils sont partis pêcher. Et ils ont ouvert le ventre du poisson, il y a l'argent qui est sorti. C'est-à-dire que Christ pouvait faire tout. Tout ce qui était devant lui, elle amène les pierres. Alléluia. Amen. Un homme est capable à répondre à toutes les questions. Vous avez les apôtres, il y avait une grande assurance. Un jour, il a pris quelques-uns, il les a amenés sur la montagne. Et ils ont vécu ce qu'on appelle la transfiguration. Ils ont dit... Certainement celui-ci, c'est un Dieu. Et amène bien.
Alléluia. Parce qu'ils ont entendu parler d'Abraham, ils ont entendu parler d'Isaac, de Moïse, Abraham et Moïse. Mais ils ont vu Abraham et Moïse. Pas en auto, pas en rêve. Ils ont vu en live. C'est-à-dire ils ont fait une expérience extraordinaire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ils se sont dit, celui-ci c'est un pourvoyeur. Et c'est un homme aussi spirituel. C'est un Dieu. Il peut multiplier le pain. Alléluia. Devant la maladie, il a guéri. Alléluia. Surtout le jour où il a ressuscité Lazare. Ça, c'était la finale. Et si je parle à quelqu'un? Alléluia. Ils avaient une meilleure assurance. Ils ne craignaient plus rien. Ils savaient que Christ est là. Alléluia. Amen. Elle amène les pierres. Amen. Jésus est là. Un homme a tout fait. Quand tu as faim, il peut multiplier le pain et le poisson. Quand tu es malade, c'est le médecin par excellence. Un amène les pierres. Frère, il y a quelque chose qui arriva. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelque chose qui arriva. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, certaines choses doivent arriver dans nos vies obligatoirement. Amen. En lingala, on dit, olingate. Que tu ne veuilles ou tu ne veuilles pas, papa, il y a certaines choses qui doivent arriver. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui, notre Dieu, notre maître, celui qui donne le pain, même si je tombe malade aujourd'hui, il va me guérir. Amen. Même s'il y a un décès, il va nécessiter quelqu'un, hein? Quelque chose arriva. Amen. Jean, chapitre 16. Le verset 17. Jean chapitre 16, verset 17, je lis la parole de Dieu. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Alléluia! Amen! Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit, tellement qu'ils avaient une assurance. Oh, c'est lui qui donne le pain. C'est lui qui multiplie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui même si ma famille meurt aujourd'hui, allons-y seulement là-bas. Il leur disait, moi je vais partir. C'est-à-dire tellement les miracles les avaient éblouis. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, ils devaient partir. Ils avaient tellement de l'assurance. Elle amène Pierre. Alléluia. Il leur disait, moi je vais partir. Alléluia. Je vais mourir. Le troisième jour, je vais ressusciter et je vais monter au Père. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a certaines choses qui doivent arriver dans vos vies. Amen. Pour donner place à quoi? À ce qui est de meilleur. Amen. Et si je parle à quelqu'un, tu ne m'as pas compris. Certaines choses doivent arriver dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Pour donner. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour donner place à la meilleure. Certaines choses doivent arriver. Ah, et quand ça arrive, ça choque. Amen. Quand ça arrive, ça fait mal. Quand ça arrive, ça panique. Alléluia. Le Seigneur leur disait, Naïna Kokene, je vais partir. Eux, ils n'acceptaient pas. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lis-nous Jean 18, le verset 11. Jean 18, verset 11, je lis la parole de Dieu. Non, prends le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Oui, 10 à 11. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La parole du Seigneur. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le nièrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Le grand maître qui ressuscite les malades, le grand maître qui fait les miracles, le grand maître qui est un appui,
Le grand maître qui a une assurance, c'est-à-dire sans faillite, elle amène bien. Et on vient l'arrêter. Les apôtres disent, on rêve ou quoi? Alors les gens comme Pierre, hein, qui ne comprenaient absolument rien, ils prient les paix, ils commencent à amener cette chose là physiquement. Le Seigneur lui dit, arrête, je dois boire ma coupe. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Jésus venait dire à une personne, certaines choses doivent arriver. Et quand ces choses-là arrivent, on a du mal à accepter. Quand ces choses-là arrivent, on ne comprend rien. Quand ces choses-là arrivent, on est perdu. Quand ces choses-là arrivent, on est dans la panique. Comme Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sort des fois les épées. Alléluia. Et les choses ont commencé. Jésus a arrêté la flagellation, la crucifixion. Lui qui ressuscitait les morts, maman Janine, meurt. Les apôtres étaient paniqués. Où irons-nous? C'était notre espoir. Alléluia. Ça ne s'arrête pas à la mort, hein? On le plaça où? Dans un tombeau, maman. On mit la grosse pierre pour qu'il ne sorte pas. Et si je parle à quelqu'un? Celui qui ramène à la vie, on le voit sans vie. Même le voleur, même qui était à côté avec lui là-bas, vous savez, il a seulement mal parlé. Amen. Il voulait seulement dire, maître, mais pourtant toi tu sais faire ces choses-là, mais sauve-nous. Mais la manière de parler lui a donné la colère, parce qu'il voyait aussi le maître où? À la croix. Il dit, maître, mais toi là, toi, c'est toi, c'est pas toi qui sauvais les gens. Je me suis trompé, oui ou non? La panique. Les alléluia. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, certaines choses doivent arriver pour faire la place. Alléluia. Au meilleur. Amen. C'est le plan de Dieu. Acclame le Seigneur. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'accepte pas les choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Comment aurions-nous vu la gloire de Dieu si Jésus n'était pas parti à la croix? Comment on devait être sauvé si lui n'était pas venu nous racheter? Et si je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Comment tu devais avoir la manifestation de la gloire de Dieu si lui ne meurt pas, si lui ne part pas? Elle amène bien. Romains 3, le verset 23. Est-ce que tu es là avec moi? Si tu es avec moi, dis alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Romains chapitre 3. Le verset 23. Le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Tous en ce moment-là, on était privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait voir la gloire de Dieu. Mais il fallait qu'il y ait une personne. Amen. Qui devait venir. Alléluia. Amen. Qui devait payer la note pour nous racheter, pour nous permettre de rentrer où? Dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Lui, il a vécu avec nous 33 ans. Alléluia. Mais il y a une gloire qui va durer d'éternité en éternité. Cette gloire-là est plus grandiose que la vie de 33 ans. Amen. Et si je parle à quelqu'un, c'est une gloire éternelle. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Les apôtres sont tombés dans la panique. Le premier jour, les espoirs s'est arrêtés. Le médecin des médecins en Sévérie, celui qui ramène à la vie. Alléluia. Dans le tombeau, les espoirs s'éteignirent. Elle amène bien. Amen. L'homme a oublié. L'homme a oublié. Les apôtres ont oublié. Aujourd'hui, toi et moi, on oublie tous les enseignements. L'homme a oublié les enseignements de Jésus des 3 ans. Il a sorti quoi l'épée? 3 ans, le Seigneur a parlé. 3 ans, le Seigneur a dit. Le premier jour de Jésus dans le tombeau, les gens étaient paniqués. Les espoirs s'étaient arrêtés. On a oublié qu'il avait dit qu'il partira. Et après 3 jours, il reviendra. C'était la définition même de sa mission sur la terre. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. L'homme en ce moment-là, quand les choses arrivent, l'homme devient sourd. L'homme oublie tout. L'homme devient comme amnésique.
l'homme devient muet. Certaines choses doivent arriver. Le deuxième jour, quelle tristesse accompagnée de la panique. Parce que dehors, il y avait aussi les maîtres de la loi. Hein. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le comportement de tout un chacun. Surtout des enfants de Dieu. Alléluia. Devant un combat dur, on oublie tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? On met en place le doute. On met en place la panique. Elle amène bien. Je suis venu te dire, sache, quand tu vois que le combat devient dur, ça veut dire que tu es sur la dernière ligne droite. Amen. Ça veut dire que tu ne m'as pas compris. Amen. Quand le combat devient dur, elle amène bien. Amen. Sache que la victoire est derrière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle amène bien. Amen. Le troisième jour, les apôtres étaient cachés. Il y en a qui avaient fui. Il y en a qui avaient, alléluia, quitté même Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il y a une femme. Oh, j'aime cette femme-là. Amen. Marie de Magdala. J'aime cette femme. Une femme qui était là aussi, mais elle n'était pas apôtre. Elle suivait seulement par reconnaissance, hein, parce qu'elle était, on l'avait délivré des démons. Elle a dit, oh, mon maître à moi, Jésus, même dans la tombe, il est mon maître. Amen. Même mort, il peut faire quelque chose pour moi. Amen. Même dans le tombeau là-bas. Et elle n'a pas vu qu'il y avait une grosse pierre. Elle s'est dit, moi je vais me lever tôt le matin. Je vais aller là où il y a mon maître. Alléluia. Alléluia. Elle avait dit non. Elle s'est souvenue qu'il avait parlé. Amen. Alléluia. Amen. Christ en moi. L'espérance de la croix. Il dit, mon maître à moi, même si je l'ai vu allongé, même si je l'ai vu dans le tombeau, mon maître à moi est vivant. Acclame le roi des rois. Elle amène bien. Alléluia. Mon maître deviendra mon maître. Je ne peux pas oublier ce que mon maître a dit. Elle amène bien. Vous savez, moi, quand j'ai un problème, je me souviens toujours de ce que maman Lang était en train de faire devant le problème là. Je ne dis pas qu'elle est mon maître comme Jésus, non. Je dis que maman Lang nous a enseigné. Amen. Ils nous ont enseigné quelque chose. Maman Lang et son mari nous ont enseigné, ils nous ont montré devant telle situation comment devons-nous marcher. Alléluia. Ils nous ont laissé même comme héritage une vision que moi je ne me sépare pas, que moi je ne m'écarte pas, je marche selon ce que cette dame nous a enseigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le plus souvent, il y a la panique. Alléluia. Cette dame a dit non. Non, 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 non. Même s'il l'a mis là-bas, moi je crois en lui. Je crois en mon maître. Même si je l'ai vu crucifié, je crois qu'il est Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est Dieu. Je l'ai vu ressusciter Lazare. Je l'ai vu multiplier le pain. Elle est restée là. Acclame le Seigneur pour les femmes de foi. Alléluia. Même si mon maître aujourd'hui, je ne le vois pas. Alléluia. Vous savez, hein? Alléluia. Dans la vie avec le Seigneur, il faut avoir un mentor. Amen. Un exemple. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur tous les jours, je le répéterai. Maman Lang, c'est un exemple pour moi. Alléluia. Des fois, quand j'observe, je vois. Depuis que Maman Lang est partie, je vois certaines choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis non, maman m'a enseigné, je reste là. Amen. Elle amène bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je garde fidèlement la vision. Je garde fidèlement les enseignements. Acclame le Seigneur. Certaines choses doivent arriver pour donner place à la meilleure. Elle arriva devant le tombeau, cette femme-là. Alléluia. Quelle surprise. Surprise agréable. Amen. Elle voit comme ça. Le tombeau est ouvert. Jésus est ressuscité. À partir de cet instant-là, le Christ est devenu cet espoir en moi. Parce que celui qui est revenu à la vie, là, c'est le Saint-Esprit. Et amène bien.
entrailles trouve la vie. Amen. À partir de cet instant-là, mes mains trouvent la vie. Amen. Ma tête trouve la vie. Amen. Mon corps trouve la vie. Amen. Christ en moi, c'est la résurrection totale. Alléluia. La résurrection de ma santé, la résurrection de mon travail, la résurrection de mon mariage. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Christ en moi, c'est la résurrection de mes enfants. J'aimerais que le frère nous lise Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Pour que Christ vive en moi, il fallait qu'il meure. Amen. J'ai lu la parole de Dieu, Colossiens chapitre 1er, verset 27, au nom de Jésus. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est pas n'importe quelle gloire, c'est la gloire qui vient du Père. Cette gloire-là habite en moi. Si je touche Noël, Noël reçoit la gloire. Si je laisse garde Papa Michaud, Papa Michaud reçoit la gloire. Si je commence quelque chose, hein, cette chose-là, comme elle amène bien. Amen. Tout fuit. Parce qu'en moi, il y a l'électricité, Maman Esther. En moi, il y a l'électricité. En moi, celui qui a la gloire. Ma vie, je marche de gloire en gloire. Je marche de victoire en victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah.
Adonai, tu es.
parce que tu n'as pas regardé, Seigneur. Tu n'as pas compris les grandes iniquités de mes péchés. Mais tu t'es souvenu de l'œuvre parfaite de la croix. Aujourd'hui, je t'élève. Aujourd'hui, je t'adore. Tu es le dit. Tu mérites. Tu mérites notre adoration. Il n'y a que toi, Seigneur.